Et bonsoir à tous, bonjour, bonjour, on est le matin, bonjour à tous, nous sommes sur les 24 heures Infinity Dirt numéro 3, il est 11h du matin, ça fait je sais pas combien de temps que les équipes sont en route, et je suis avec Max Payne et l'équipe APM, c'est bien ça? Salut les gars! Ouais, bonjour tout le monde, bonjour les APM! Salut à tous! Salut, bonjour, salut. Et t'as oublié notre petit Elfoun qui est l'homme tout seul qui roule. Non, il est pas sur le test, c'est pour ça que j'ai pas cité. C'est vrai? Ah oui, il a des problèmes avec sa Wi-Fi. Ouais. Il a des problèmes avec sa clé Wi-Fi. Bon, comment vous allez les APM après ces 20 heures de route? Mais nous sommes en pleine forme! C'est bon ça? Ouais, bah oui, depuis tout à l'heure, il arrête pas de parler, Landre. Je crois qu'il a pas dormi, mais il a la patate. Il doit prendre des produits ou des conneries comme ça. Ouais, 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 c'est sûr. Hein, ouais, c'est sûr. Ça se voit. Passer toute la nuit au coca. Ouais, c'est ça, au coca, ouais. On diminue un peu au coke, quoi, non? Non, whisky, quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est un super lubrifiant, un super dopant, ça. Non. Ah, dopant, excuse-moi. Je me suis trompé. Bon. Ça passe tout seul. Bon, alors on va revenir vite fait sur la compétition pour voir à peu près où ça en est. Donc toujours 35 équipes inscrites. Là-dessus, j'ai bon. Donc on va commencer en premier. Donc nous avons la Dream Team avec Bepino, Devine, Nico, Gilboy, si je le dis bien. En second, nous avons les Spamoto avec Benji et Gil, qui sont que deux à rouler pour l'instant. T'as oublié Dum Dum. Oui. Et Dum Dum. Ouais, mais attends, faut que je tourne la page. Qui a roulé hier. C'est sûr que, en tout cas, on sait que Boss Wanted, il roulera pas. Ouais. Il est pas là. Ouais, il est en week-end. Les filous non plus. Je pense pas non plus. En troisième, nous avons les Ultimate Noobs, donc des vrais noobs hein, qui commencent le jeu, hein, avec du farm, full, Waller, Gus, et le dernier, je vois pas c'est qui, parce c'est que... La Pampa. La Pampa, voilà, parce que du noir sur du noir, j'arrive pas à lire. Donc des noobs, hein, on peut dire que c'est des noobs du jeu. Mais bonsoir. Salut Elfoun. T'arrives toujours pas avec ton wifi? Non, mais c'est la box là qui a dit non, je veux plus. J'en ai marre. Allez, on continue. Le quatrième, c'est les kebabs avec Sauce Samouraï, Ventil, Juba, Sauce Tomate Oignon, Trevor Philippe, c'est Nico33 Desso. En cinquième, nous avons les Evocats, donc des explorateurs. Aujourd'hui, c'est des explorateurs, donc on peut bien sûr citer Splash, Custic. Mais je vais citer leur pseudo directement, ça sera plus marrant. Donc nous avons Dora l'exploratrice, Sakado l'explorateur, Shipper l'explorateur, Babouche l'explorateur, Je suis la carte l'explorateur et Diego l'explorateur. Donc un petit délire. Hein. T'en fumais quoi pour Je sais pas, mais moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. C'est Ils sympa. Ont fumé du whisky coca. Ouais. Oui, ça peut aussi. Allez, sixième, on continue. Je ne sais pas encore. Donc, ils savent pas quel est leur pseudo de team. Donc, on verra si avant les 24 heures, ils ont trouvé. Avec Space, les Acetaf, Social Lyon, Benji, qui sont principalement les trois qui ont roulé. Et en plus, nous avons Chuck, après Masto 77, je ne sais pas qui c'est, et Blacky. Et qui n'ont pas roulé. En fait, oui, c'est ça. Et absent. Après 7ème, nous avons l'âge de classe avec Dodo, Sid, Diego, Le Gland. Je sais pas si ça existe vraiment, Le Gland, non? Dans l'âge de glace et Scratch. Bah, Le Gland, il est Scratch, il le suit tout le temps. C'est le Gland. Ah, d'accord, c'est Le Gland et Scratch. Ah oui, on va dire, je regarde pas assez les dessins animés. Hey, il y avait vraiment beaucoup de trop de whisky coca dans cette vidéo. Après, nous avons en 8ème les Gamers avec Fun Gamers, Carl CJ Gamers, Kefux, Reddick et Fuka.
absent. On va dire qu'il est absent. C'est... Allez, 9e. Nous avons les Speed, Jokada, Eagles. Alors je dis mal peut-être. Haute, Archer et Ritz. 10e, nous avons les Jack Bauer avec Yoshi, El Connard, Kobosh, Kovac, Kovach, Sibalex et Big V. Les 11e, donc. Les 11e, les FBG. En premier, nous avons Makusta. Yeah. Nous avons Haro qui roule, Boss Playa, Claude, Jude. 12e, nous avons les DOS. Avec beaucoup de DOS. Je vais faire les équipes hein, parce que ça fait long après. Hein. Je m'arrêterai aux APM pour citer les noms APM. 13e, nous avons les RC. Avec un mélange de RC, d'Evocat et de Ozone. 14e, et oui, une grosse équipe, une grosse line-up. Je ne comprends pas pourquoi ils sont pas au bout du classement. Ils ont dû faire une pause, je pense. Oui. Donc, en premier, nous avons Enzor, Foudre, Maverick, Chef et Chef. Voilà, en pseudo. Ouais. Et Landre aussi. T'as oublié Landre, mais c'est pas grave. Non, mais je l'ai fait exprès, je voulais pas qu'il. C'est quoi le bordel ? Je l'ai vu, bon, il est quand même avant-dernier de la team, hein, Landre. Hein. Enfin bon, bref. 15ème. Il se réserve pour la fin, je sens. Il va tout donner sur la fin. Ouais. Toujours comme ça, je me réserve pour la fin. Allez, après les 15e, les œufs avec deux players qui roulent pas mal. Après les MAD en 16e position, donc l'équipe MAD qu'on a eu hier. Mais non, ils se débrouillent pas trop mal. Je suis pas sûr que c'est 16e. C'est les Track Mania. Ah non, c'est pas les MAD. Ah ouais, mais attends, faut que je le mette à jour à chaque fois. Ah bah oui, mais ça change. Hier soir aussi, c'est un peu con, genre. Ah ouais, bah je dis tout à l'envers alors. Bon allez, on reprend 16e, les Track Mafia. Donc avec toute la team TMF, tous les joueurs TMF. En 17e, les XSD. Donc j'ai bon là. Hein. Ouais, les XSD bon, avec qu'on retrouvera tout à l'heure à 13h. Les 18e, les MAD, qu'on a eu hier. Voilà, hein, je peux le dire. 19e, nous avons le premier joueur qui roule tout seul, donc Linky, un très bon pote à Elfoon. Oui. Oui. Il est plus pendant 24 heures ensemble. Après, nous avons les 20e, les Speed. Après, les 21, les Infinity avec la team de Jack, l'organisateur de la compétition, que nous avons eu l'honneur d'avoir à 15h. 22e, les MAD 2, qui sont pas mal. 23e, les Fusions. 24e, les SDR. 25e, les Fusions numéro 2. 26e, notre petit Elfoon. Notre petit Elfoon qui est en train de rouler. Hein. 27e, les SNP, donc la team SNP qui roule tranquille, hein, parce qu'il y a de sacrés bons joueurs dedans, mais c'est tranquille. Non mais okay. SNP, pendant un moment ils ont pas passé de checkpoint, c'est pour ça qu'on est repassé devant. D'accord. Pendant une demi-heure facile, il y avait personne en fait. D'accord. Okay. Allez, les PD. 28e, nous avons les DMK. 29e, encore un joueur tout seul, Speed the Unit. The White. Donc qui se bataillait avec Elfoon, comme on disait tout à l'heure. Mais il a eu un gros coup de moins bien ce matin, donc il a redescendu un petit peu. Un coup de mou. Il a pas pris le whisky. Ouais. En 30e, nous avons les off qui sont en train de rouler. 31e, les CND. 32e, alors nous avons un joueur tout seul encore, Windu. Ouais, mais après, on va passer beaucoup de CPE. Hein. Tu peux vite ouais, petite dédicace à Paltésar. Pour Windu, il saura pourquoi. Un gros joueur, hein, Windu. Hein. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de ces 24 heures-là. Mais bon, on va pas rester trop longtemps là-dessus. Allez, 33e. Kia. 34e.
Speed Racer est le dernier qui n'a pas beaucoup roulé. Le roi de la route. Voilà. Bon allez, j'ai fini avec le classement. Donc voilà. Bon les APM, vos impressions de la compétition là. Alors, nous avons lancé un explorateur pour débuter. Hein, ouais. Sous chef a commencé. Après 2-3 super premiers runs où il était dans les 10 premiers, il a malheureusement super craqué. Avant de se reprendre légèrement. Et depuis lors, bah, on fait une petite remontée. On peut pas le briquer. Hein ? On peut pas le briquer. Et briquer. Ah, pour allumer le pet. Ah, mais voilà. Et de part, on est remonté. Je pense qu'on est la meilleure position qu'on a eue, c'était 14e, celle qu'on a maintenant, je pense. Et notre chef national est en train de remonter lentement, mais très très sûrement. Ouais, en sachant. Sur les RC pour essayer de s'emparer tout seul. Il n'y a plus que deux CP à dire. Et voilà, de la 13e position. Bon, bah, j'espère que ceux-là, ça va. Vous allez réussir à les être rattrapés, hein. Après, je sais que c'est toi qui roules, Landre. Ah, bah, c'est justement. On va perdre des CP à ce moment-là. On va perdre. Oui, donc après, c'est moi qui vais reprendre la route, ouais. Bon, et bon, bah, très bien alors, très bien. L'objectif est la 13e place en fin de compte alors. La 12e, on va essayer de voir si on s'est rattrapé les doses. Les doses ? À la base, c'était la top 10, mais on a vu. Ouais, c'était peut-être. On avait dit 15, c'est bien, et dans le 10, ce serait génial. Mais... Ouais, bon, les doses sont pas mal quand même, ils roulent pas mal. Hein. Je les ai vus rouler un petit peu la dernière fois, enfin tout à l'heure. Ça roule bien quoi. Bah ouais, on a Irasser et Herbie, Engzor et moi connaissons assez bien donc. D'accord. Ok, bon, c'est bien. C'est bien. Voilà. Elfun, ça va toujours, toi? Tu roules toujours? Ah bah oui, ça va. Moi, je suis patate. Hein. Y a pas de soucis. Ok. Toujours au whisky coca? Ouais, toujours au whisky coca. La bouteille est cachée là derrière le bureau, mais ça va. Et grâce à ça, ça glisse tout seul sur la piste. Voilà. On lubrifie les roues et ça va mieux. D'accord. Bon, et Makou, tes petites impressions, puisque tu t'as roulé aussi un petit peu cette nuit. Je suis un peu éclaté, quoi. Bah ouais, je pense bien, ouais. T'as roulé combien de temps cool. À peu près? Non, je sais pas, 5-6 heures, mais 5 heures, je crois. Mais 5. Non, c'est cool, moi j'adore, j'attends toujours avec impatience le 24 heures. C'est toujours un bon esprit, et puis c'est fun, quoi. Et vous pouvez craquer? Non, jamais. Parce que vous êtes 11e, hein, si on remonte 12, si vous êtes juste devant. Ouais, mais non, y a pas de risque, vous inquiétez pas, je prends la main à la fin, donc... Ah, justement, il va aller se reposer, là. Je vais manger un peu. Ouais, voilà, ouais, c'est cool, c'est toujours sympa, ces petits événements comme ça. Merci aux regards. On remerciera jamais. Ouais. Ouais. Bah, merci à Jack de créer cette compétition avec les Infinity, hein. C'est vraiment sympa, ça permet de nous réunir tous dans la joie et la bonne humeur avec des bonnes bouteilles de Jack. et puis voilà quoi. Voilà pour nous. Moi j'avais rien d'autre de spécial à dire, hein. Ça me fait de toute façon on va se retrouver pour un autre point tout à l'heure à moi personnellement j'ai été très déçu. Ah bon? Pourquoi? Bien sûr. Alors que la tradition chez APM, c'est de faire les 24 heures tous ensemble, réunis dans ma maison, eh ben cette année, on n'a pas pu parce que mon cousin a décidé de fêter son anniversaire. Donc je suis très en colère pour mon cousin d'avoir son anniversaire au jour en même temps que les 24 heures. Ah, mais c'est sympa ça de fêter tout ça dans la même maison. Ouais, de oui, mais ça, c'est assez compliqué parce que... Déjà, il faut savoir que sous-chef et Enzor finissent par s'endormir vers 2h du matin. Non, aujourd'hui c'était 5. Et il faut savoir que chef avait pour habitude de venir en n'ayant pas dormi la veille. Donc après sa première nuit blanche, la deuxième nuit blanche passe très mal. Et donc, comme vous avez déjà calculé, ça fait déjà 4 pilotes en train de dormir. Hein. Uh-huh. Il restait donc moi et Dedesh. Et la fois où on l'a fait ensemble, quand tous les autres se sont réveillés à 9h du matin, hein, entre 2h du matin et 9h, j'ai dit, vous inquiétez pas, Dédé chez moi, on a assuré, on a fait 50-50. Et puis quand on a regardé, j'avais fait 6000 CP et Dédé 1500. Ou bien que j'ai fumé pendant la nuit. Bon, on était gentil avec Land parce que quand il était dormi, on lui a demandé d'aller chercher les croissants et les petits pains.
Ah d'accord. Oui. Et donc, c'était donc il y a un an donc exactement je pense. Et il faut savoir qu'après j'avais match de football. Oula. Donc après avoir fait nuit blanche, avoir pas pu avoir dormir le matin pour aller chercher les petits pains aux autres. mon ami sous-chef et son compatriote chef sont venus me voir jouer au football. Enfin, me voir jouer. Je me suis beaucoup échauffé, hein, parce que forcément ouais. J'étais pas titulaire quand même, hein, ils sont pas cons dans mon équipe. Et après un échauffement de 45 minutes, c'est fut 20 minutes folklorique sur le terrain. Ah d'accord. Il s'est quand même fait engueuler par l'entraîneur parce qu'il avait été chercher un sneakers. Hein. Ouais. Oui, parce que j'avais comme une chute de tension. C'est bizarre. C'est ouais. Bizarre, attends, je comprends pas. Tu as expliqué à ton coach pourquoi t'étais comme ça? Au début, je lui ai dit, écoute, je sais pas jouer parce que je compte un peu fumer et un peu boire pendant la nuit et beaucoup jouer aux petites voitures sur Internet. C'est ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, tu te fous de ma gueule? Je lui ai dit, non, c'est les 24 heures du Mans des petites voitures sur Internet. Alors là, il a vraiment cru que je me foutais de ma gueule. Et du coup, il m'a vraiment sélectionné. Et du coup, j'ai vraiment dû aller jouer. Ah oui, putain, ce qui était vraiment pas prévu dans mon programme. Chef et sous-chef peuvent témoigner qu'on a roulé fort vite sur l'autoroute. Ah oui, fort vite, ouais. Et qu'à mi-route, je me suis fort vite rendu compte que j'avais oublié ma carte d'identité et que de faire demi-tour. Ah putain, ah, super. Du coup, super. Sur la seconde partie, parce que là aussi, c'était une sorte de 24 heures de petite voiture, mais là, sur l'autoroute, et là, j'ai pas touché de boudin. Ah, félicitations. Il y a quand même des hallucinations en retour après de nous avoir déposé. Ah oui, après 48 heures sans dormir et j'ai cru qu'il y avait des enfants qui traversaient sur l'autoroute. Donc là j'ai dû... Ouais, t'as dû arrêter un petit peu, non? Disons qu'à mi-route, il y avait mes parents. Donc, quand j'ai été redéposé chef et sous-chef du côté de Lille pour revenir sur Mons, il y a plus ou moins une centaine de kilomètres. À mi-route, mes parents habitent à Tournai, donc 50 km. Et quand sur le ring de Lille, j'ai vu des enfants qui traversaient sur l'autoroute. Que quand j'ai vu des enfants qui traversaient sur l'autoroute, ma première réaction était de me dire c'est pas possible, hein, c'est pas freiné, continuer. Je me suis dit que c'était des choses qui n'allaient plus. Ça a été chez mes parents. En plus, tu te dis que c'est pas réel et tu accélères quand même, toi. Bah oui. Pour tester, tu sais, pour voir si ça fait du bruit ou pas quand on fait dessus. Non, c'est pas des enfants. Et en plus, c'était des enfants, des écoliers, avec un monsieur, tu vois, il y a toujours des gugus qui se mettent en plein milieu de la route pour laisser passer les gens, quoi. Et moi, j'ai vu ces gens-là arriver sur la route. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je sais bien qu'on a peut-être école le samedi en matin en France, mais on est quand même dimanche et il est quand même 19h. C'est pas possible. Et de fait, c'était pas possible. Ah oui, bah oui, oui. Bon, t'as eu un petit moment de lucidité quand même. Bah, ouais, t'étais un peu perdu quand même. Ah bah non, j'avais un GPS. Mon GPS me disait continuez tout droit. Il m'a pas dit arrêtez-vous, les enfants. Non. Ce GPS m'a dit continuez. Ok, super. Tiens, donc, petite anecdote des dernières 24 heures. Et donc, vous comptez l'année prochaine refaire tous ensemble? Déjà, je compte tuer mon pour qu'il n'y ait plus son anniversaire. Ou bien, il faudra que je demande à Jack de changer. Je ne sais pas encore. Voilà. D'accord. Ok. Mais Jack, de toute façon, c'est pas tous les ans qu'il est fêté, tous les 6 mois, je crois, non? Ouais, mais dans 6 mois, c'est mon anniversaire à moi, donc c'est embêtant. Ah, justement. Ouais, c'est encore mieux. Bah oui. D'ailleurs, sur le forum APM, on avait posté quelques photos de ce truc-là où on mettait des photos toutes les heures pour les gens de l'équipe qui suivaient dehors et qui nous voyaient arriver chez moi, manger, boire, s'endormir, se réveiller, déjeuner, remanger. C'était la réalité des APM. De 5 CP par les spams avec qui on s'était battu pendant 24 heures avec maximum 3 CP d'écart. Bien mentionné. C'est inadmissible. Ouais, c'est à cause du Guildboom. À cause du Guildboom. Non, ça compte de la perte de connexion. Ah oui.
Ah oui, parce que forcément, on vous raconte. C'est bien beau de se dire on va toucher quelqu'un. Mais tu penses que ce quelqu'un a une connexion pour 5 PC ou 6 PC? Que nenni. Du coup, à un moment, vers 23h... Ah merde. Ah bah oui. Mais du coup, là, il n'y a plus personne pour rouler, parce qu'on est tous chez moi. Bah oui, 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 c'est normal. Ok, bon bah parfait. Bon, sur ces petits mots, on va rendre l'antenne hein, tranquillement. On va laisser tout le monde rouler et se reposer. Je vous remercie bien, messieurs, d'être passés nous voir. Oui. On a bien rigolé et bon courage pour la fin. J'espère que vous allez bien remonter. On a déjà passé les RC là. D'accord, bah nickel. Et puis à la prochaine. Elfoun, bon courage aussi hein, pour la fin. Tout merci, seul. Merci, bon, c'est bon, 3h30 là, c'est du pipi de chat. Hein. De toute façon, on se retrouvera tout à l'heure à 1h. Ouais, y'a pas de soucis. Et puis voilà. Ok, allez. Ok. Makou, bye bye. Bye bye. À tout allez, au revoir tout le monde. À plus.